Bonjour YouTube. Merde, non, attends. Bonjour YouTube. C'est dans l'autre sens qu'il faut le faire. Bah, entendre livreur. Quel bâtard. Va te faire, mais... Quel... Ah, pour la peine, voilà, démerde-toi pour trouver ton clap. Là. Non, mais oh. Ça y est, ça va commencer entre les deux. Ouais, ça suffit, monsieur. Bah, je te laisse lancer la partie, du coup, monsieur. Ah, 2 secondes, je finis de boire. Laisse-moi m'hydrater. Allez, c'est pas qui. Du coup, pour papy, tu n'as rien. Mais ça, tu sais, j'avais hésité à faire une compile de tes claps pour YouTube, coupé avec ton A. Bon, qui n'est rien. Eh, papy, apparemment, ce que tu m'as donné pour le micro, ça a réglé le problème. Oui. Ah, toi, t'as tes trucs. Oula. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je refasse ton contrat à lui. Du coup, exclusif. On va te re-signer pour 3 ans. Ah ouais. Ah d'accord. Voilà. Tu feras avec. Hein. 15%, c'est très bien. Hop, donc ça, c'est bon. Tous tes trucs. Alors. Bah oui, parce qu'il y a ceux de la semaine dernière que j'ai oublié de regarder parce que je les avais bu chez papy. Donc ça oui. Elle a relocate mais très loin de chez moi. Oui. D'accord. Lui il a relocate très loin de chez moi aussi. Ibiki est revenu, ça c'est une très bonne nouvelle pour ma story. Ça, parce qu'aujourd'hui elle doit être bookée. Donc TUT a relocate je crois loin aussi. Bon, moi commence à être habitué. Le direct test, oui, bah, ça après c'était la semaine dernière. Oui, c'est vrai qu'Adam Brook, du coup, a lancé une action contre moi. On va voir si ça peut être des trucs là aussi. Et du coup, Titi, je regarde tes messages, hein, t'es pas obligé de prendre le contrat. Ah, Kisley a relocate en Southern Europe avec Miaim. Apparemment, oui. Avec... Ah non, Ember Moon, elle est en Méditerranée. Ah, c'est sympa aussi. Ah, LJ est dans l'Europe de l'Ouest. Bah en France, du coup. Oui, du coup, très bien. Ouais. Nick Jackson est en Europe de l'Est, c'est pas le moment. Ah pas maintenant. Nick, reviens chez nous. Lui, il est à l'Ouest, ok, très bien, donc en France. Et après, bon, c'était une figure de la dernière fois. Donc, tout va bien. Avançons. Shane Sabre. Pourquoi c'est Trollins? C'est Trollins ou drogue? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait moi. Il y a un air de famille, non? Et oui. Il y a un, y a un petit truc, hein. Je suis Shane Sabre. Voilà. C'est le nouveau Shane Sabre. C'est moi. tu vois le gif du gars qui se fait passer pour Mbappé en train de bouffer une glace, ouais. Genre t'as le petit qui fait « Eh les gars, il y a Mbappé !» Et t'as le gars, il est en mode « C'est moi, ouais. » C'est trop ce qui est en train de se passer. Alors, Jim Ross. Tu n'as rien. Non, rien de rien. Toi non plus, tu n'as rien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai complété mon tour. Bon, bah ok, écoute. Je suis droit. Et Titi... Ah, Jiuzo, en Europe du centre. En Europe centrale, du coup. Oui, Europe du centre. Yeah. C'est foutu en Allemagne, quoi. Oui. Ou en non, Suisse, c'est pas Europe. Putain. Je vais fermer ma gueule, moi. Illuminati. Bah, ça c'est en Europe. Hein. Ah, ouais. Ils ont fait un clan à la chimère qui s'appelle Illuminati. Ok, très bien. Bah, la Suisse, si, c'est en Europe, quand même, monsieur. C'est pas européen, la Suisse. Bah, c'est en Europe. C'est au centre de l'Europe, mais c'est pas européen. Bah, il semble pas. Si, ah, c'est Europe. Je déclenche des guerres, moi. C'est pas parce que c'est pas un pays de l'Union Européenne que c'est pas en Europe. Oui, bon, écoute, hein. Voilà, fais ton show. Voilà, merci, papy. Oui, pardon, oui, c'est en Europe, mais pas en Union Européenne. Non, ça va, c'est pareil. Vous chipotez. Ah, non, voilà, vas-y, tu as le contrôle. Pour l'instant, c'est toi qui chipotes. J'ai peur, j'ai déjà des backstage. Oh là là, la guerre. Oh là. Oh putain, la connasse. Alors. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a failli démonter un fan. Elle a eu un. Ouais, elle a gueulé sur un fan, mais elle a failli lui mettre une droite. Ouais, bah c'est bon, c'est juste failli. Oh putain, mais voilà. Il gère trop bien ces incidents. Oh là là. Ouh.
Ah, Dominique a démonté la voiture de près de Pentagone. Mais putain, Et ils ont failli se battre à cause de ça. ouais, pareil. Putain, mais en fait, la solution à tout est là. Ah, Bobby Fish a fait le connard backstage. Il a d'abord provoqué verbalement et ensuite il a démonté Sami Zayn. Voilà. Putain, mais... Qui a un fight qui a dû se faire séparer par d'autres bosseurs. Bon, là, tu prends ta petite amende. Mais... Putain, mais Bon, bah, tant mieux. incroyable! T'as appris à les gérer, t'es Bah, devenu un tu pro. sais, quand tu pars de 7% de backstage... Alors du coup, est-ce que tu veux pas, oui, faire un medal, et après peut-être regarde pour ton arène, parce que ça se trouve que tu t'es mis dans une arène trop petite. Oui. Alors... Ça va être compliqué. Tiens, on va tenter de trouver quelqu'un pour... Vas-y, scroll, hein, ce sera plus rapide. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a de... Je pense qu'il y a d'autres chances où tu peux. D'autres trucs où tu peux Oui. avoir plus de chance, je pense, hein. Ça a quand même de la gueule. Hein. Oui. Et Eh ben merde. non. Et merde. J'aurais Yeah. Crumble. kiffé. Ah oui, Ça va. c'est ouais, c'est quand même bien descendu, quoi. Par contre, Bobby Fish, je pourrais peut-être réfléchir à le virer parce que regarde les derniers incidents dans le backstage. À droite. Oui, c'est lui. Y a que lui, hein. Les autres, après, ça se sépare un peu. Il y a Kairi Ojo aussi qui fout pas mal de la merde, mais il y en a que Oui, deux. bah Bobby oui. Fish, j'ai trois de suite, hein. Oui. Ça commence à faire beaucoup. C'est chiant. Mes plans. Ah bah disons que t'as pas beaucoup d'arènes aujourd'hui. Attends, combien tu attends? 2763 fans. Ah oui, Bah mais... c'est Ah déjà réglé en bah, fait. oui, voilà. Bah, maintenant faut juste regarder un petit peu. Ah oui, parce que oui, t'as déjà les filtres, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc t'attends 2763, donc faut peut-être trouver 2800. Ah. Non, 2747, c'est pas assez. Parce que j'ai vu un 2747, mais c'est il la croit, ça va être trop short, faut un 3000 là. Eh ben à Nanterre, tiens. Alors niveau les incidents à droite, c'est par ordre alphabétique, c'est pour ça que c'est les trois derniers sont de. Ah. Ah, je savais pas du tout. Attends. Ah, tu as l'air hein, sinon. Parce que il la croit, il va y avoir des fans qui vont rester dehors, quoi. Oui. On va augmenter un peu. Et On va toi, tu vas voir. monter à 4000. Bon, on va voir si... Oui, non, c'est vrai que c'est un peu con. Ça va juste te coûter plus cher. Hein. Non, mais en vrai, prends un 3000. Hein. Soit Nanterre, soit celle de Tisse. Nanterre ou Reims? Oh, Reims, c'est beau. Hein. Reims, c'est les boudoirs. C'est une belle ville. Hein. C'est Tu vrai. manges bien. Tu manges bien, mais au secours. Bah, sympa, Reims. J'aime bien Reims, moi. Alors, tu. Je précise pour que tu vires pas tous les gens dont l'alter ego commence par A. J'avoue. Tu vires par lettre. Donc ouais, ça c'était bon, Hey! ça. Truc à noter. Tu as ouvert le pre-booking et ça n'a pas crashé. Oui, Et pour bah ça, bravo. Ah ça... non, ça pas, non merde, fonctionne. les claps, ça va faire bugger Tina. C'est pas un Il clap, hein, j'applaudis. va t'insulter. Je sais. Donc, hop, on va commencer par un angle. Du challenger numéro 1 au titre mondial, aka CM Punk, qui va venir sa faire sa promo dans le ring pour dire je suis le meilleur. Espèce de niwa. Je suis le meilleur et de toute manière Adam Cole, je vais le battre, tout ça, tout ça. On commence comme ça. Ensuite, on va faire un petit match entre... deux équipes. Il faut que je trouve une nouvelle équipe vu que les Street Profits ont été virés. Ça va être deux tests. Alors, qu'est-ce que tu as testé? Alors, je voulais tester déjà. Il est où? Il est là. Roman Reigns. Ah, papy te pose Avec. une question. Pourquoi tu fais ces matchs? Je. Comment ça? Ah, il veut que tu expliques ton booking, je pense. Oui, bah je vais te le dire. Là, c'est ce match-là, c'est pour tester de trouver une nouvelle équipe.
avec Nakamura. Et En tant donc. qu'ancien gagnant du Rumble. Bah pourquoi ces matchs et pas d'autres? Parce que j'ai déjà un nom. Justement pour cette équipe-là, j'ai déjà un nom en tête. Si ça clique bien entre les deux. Et que. Attends déjà. Roman, il est heal. Pas Ah oui, Nakamura. vérifier s'ils sont bien dans. Ah, bah Shinsuke est pas heal. Ah merde. Bon bah déjà ce sera pas Nakamura du coup. Ah chiant. Bon, je le Et ferai tout à pourquoi pas l'heure. une petite équipe CM Punk, Daniel Bryan? Sachant qu'ils sont J'avoue. potes. Mais après, le problème, c'est que tu m'avais dit avant que tu avais peut-être d'autres idées. Oui. Et vu qu'en plus Punk est challenger numéro 1 au titre mondial, ça va pas le faire. En vrai, moi, je vais te dire, hein, une équipe que j'aurais tenté quand j'ai vu leur perf qu'ils avaient fait à la WWE sur leur match. Bon, après, ils étaient l'un contre l'autre et pas en équipe. Aïe. Mais Aleister Black et Cesaro. Cesaro a déjà une équipe. Oui, c'est vrai, il est dans The Bar. Bon, bah, du Oui. coup, oublie-moi. Je disparais. Adieu. Ouais, je... Ah merde, on voit encore à l'écran. Ah zut, je suis trop cadré. Ah merde! C'est vrai que je suis très bas sur la caméra. Et ben on va quand même tenter une équipe avec Dominique. Et tout. Et Andrade. Tiens. Allez, on va tenter ces deux équipes-là quand même. L'équipe d'Omerico. Oui. Et Nakamura, je vais tenter de le faire turn heel assez rapidement. On va voir. Ah mais si tu fais un turn heal, il faut qu'il y ait une logique. Oui. Tu peux pas faire turn heal comme ça juste parce que t'as envie, il faut Oui, une oui, logique oui, derrière. oui. Oui. Non, mais c'est pour ça. Déjà, je vais voir si les deux équipes vont bien ensemble. Et après, là, ça Ouais va mais être si tu... c'est juste un match test. Ouais mais si tu fais ça, enfin si tu fais ça sans faire turn Nakamura, ils vont te dire qu'il est pas du bon côté de la feuille. Ah oui. Ah. C'est bien qu'il y a ce C'est vrai. truc. C'est vrai, c'est vrai. Il faut un heal avec Roman. Et bah, Killer Cross, du coup. Ça peut être sympa. Déjà parce que tout le monde est Samoan, donc ça marche. En vrai, Killer Cross et Aleister Black seraient une belle équipe. Oui, mais j'ai des plans aussi pour Aleister. Ah, bon. Ok, j'étais là, dis. Ensuite, on va continuer parce qu'il y a eu une attaque il y a quelque temps d'un certain Dominique Mysterio dans le dos de Darby Allin. Oui. Et donc, oui, des plans. Des plans pour Aleister Black qui vont bientôt être dévoilés. Après le prochain pay-per-view. Non, qu'est-ce que je raconte là? Ah, c'est bizarre, il n'y a pas d'angle qui s'appelle Darby. Ah merde. C'est dommage, hein. Putain, oh, je suis perdu. Il est fatigué, hein, faut l'excuser. Il a une nuit compliquée. Il s'est réveillé tard. Il n'avait rien aujourd'hui. On le dérange. Tata. Attends, Ok, non. donc du coup, ouais, Darby va faire une promo en parlant de. Pourquoi Tsunoda? Ah non, Tont. J'ai vu Tsun, je me suis dit, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, hop, Darby Allin sur du coup. Au moins, quand tu cherches un angle avec des catcheurs, tu tombes pas sur un bikini contest. Oui, Ça, je sais pas si t'as vu leur VOD, mais ça m'a si, bouffé de si, rire. j'ai vu. Parce que quand je suis parti bouffer, j'ai mis pause. Ouais. Et ça a mis pause au moment où t'as papy qui était couché en train de rigoler. T'as Kiné qui se tenait la tête comme ça et t'avais le bikini Ouais. contest à l'écran au moment où j'ai mis pause. Je vais Ah, renvoyer l'image, c'était trop beau. Tsunoda, magnifique. matrixé par Formule Débat, tout à fait. D'ailleurs, papy, on a pensé à un truc, c'est que Formule Débat le 1, ça va être chiant, parce que du coup, il va falloir que Titi prenne encore une fois le relais. Parce que normalement, ça devait être moi, TW, le 1. Donc on Oui. va décaler avec Titi, on va essayer de s'arranger pour que ce soit lui qui le prenne là, et puis voilà. Oui, Il y aura des moments où ce sera Titi qui streamera deux fois. Voilà. voilà. Mais c'est pas grave, ça change rien quand même. On va s'arranger. Dans tous les cas, vous aurez les VOD. Oui. Voilà. J'y J'y ai ai pensé pensé aussi. Bah aussi. oui, ça va être le problème en fait. Hein. Mais Titi est d'accord pour prendre le relais quand il Ah faudra, oui, donc ça me dérange pas. tout va bien. Et Titi m'a dit que ça lui a bien plu la première, donc c'est cool. Oui. Ensuite, on va avoir un petit no disqualification match pour préparer justement CM Punk au match qui va arriver face à Adam Cole pour le titre. Et il va affronter son grand copain
Daniel Bryan. Ah bah non, mais il est il lui aussi. Ah. Raylan Face en haut. Eh bah il va affronter Johnny Gargano. Allez. Pour le préparer. Qu'est-ce qu'elle était bien cette musique! Elle manque, bordel! Pour le momentum va prendre la victoire sur un style de show. Il faut le booker très fort. CM Punk reste fort. Voilà. Attends, je vais remettre mon casque parce que mes cheveux font n'importe quoi. Ensuite, on va avoir un autre Voilà. petit Heureux. combat de préparation pour le match pour les titres par équipe. Tata. Toto. To. Exclu les Harold D. Booked parce que c'est pourri que tu aies des surprises par Oui. moment. Hop. Et donc, The Bar, donc Cesaro et Sheamus. Non, c'était les Ouzo qui étaient dans le match, c'est pas Cesaro et Sheamus. Et oui, parce qu'il y a eu un changement à cause du Oui. Et bah, qui vont aller affronter pas les champions, on va quand même se calmer. Bah, ils vont affronter mon équipe de Jobber, là. Hop. les deux connards. Voilà. Vont quand même gagner. On prévoit des champions. Non, pas Kyle O'Reilly. Non. Refs qui coûtent cher. Oh là là. Ouf. De Et c'est toute ainsi que façon. le backstage du Titi redescendu à 7. Sur une décisive win. Mais quand même. Il va y avoir une intervention. Interférence. Sur Jey Uso de la part de Pentagone. Junior. Alors, ce sera pas le main event, très clairement. Bah, y a CM Punk sur la carte, ça ne peut pas être le main event. Ensuite, on va avoir ta. Toto. Un angle. Hop. Des fois, faire plaisir et donc donner des titres et des victoires aux connards en question, ça marche mieux. Par exemple, avec Lego Maniac, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Et le problème des Mais. Egomaniacs, c'est que tu leur donnes un titre, tu rentres dans leur jeu, quoi. Parce que, en vrai, c'est un peu un piège de donner un titre à un Egomaniac, parce que si tu lui donnes, après, quand tu lui enlèves, il va dire pourquoi, je suis pas si bien pour toi. C'est Je te conviens plus, c'est ça? ça. En vrai, j'ai l'impression que ça peut être bien pour eux, pour leur mental, mais ça peut être vraiment un double tranchant, quoi. Voici les Egomaniacs! On va disjoncter un. Oh, putain. Oh putain, non, au secours. Oh, le chat qui fait n'importe En quoi. vrai, papy, bah, t'as pas vu mon chat tout à l'heure. Si. En plus, t'as participé. Oui, mais ça c'était On va drôle. rajouter un grade, papy, sur le Discord. Un grade Egomaniacs. Putain. On va le donner à Kyle O'Reilly quand il débarquera sur le. Sinon, faut trouver un streamer qui s'appelle Voilà, regarde, Egomaniac. voilà, tu vois, voilà ce que t'as provoqué. Regarde ton chat. Non, non, c'est toi qui l'as provoqué parce que De quoi c'est moi? c'est toi qui en a. C'est toi qui dis que ton chat c'est n'importe quoi. C'est toi qui en a parlé, c'est toi qui l'as déclenché. Donc c'est de ta faute. Ah, c'est comme ça. Bah Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. oui. Ça me dégoûte. Oui. Sache-le, je suis dégoûté. Je t'imaginais pas comme ça. Je suis très déçu. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche. Peut-être pas un bain de sang non plus, on va quand même se calmer. Cherche un beatdown backstage ou un truc comme ça? Ouais. Bah, je cherche beatdown backstage en fait. Attends. Parce que si tu veux une attaque dans le backstage, c'est ça. C'est. Oh là là, en kiné. Mon Dieu. Mais ça a combien, Dima t'animé? Par contre, c'est marrant, celle devant toi, elle fait un truc chelou. Genre, ça reste derrière. C'est bizarre. L'immeuble devant toi, ça fait chelou parce que genre le Stitch part mais il y en a un qui reste derrière. Ah oui. Bizarre que ça fasse ça, je sais pas si c'est voulu. Oui. On va voir une attaque backstage de
Kairi Hojo contre sa future victime au prochain pay-per-view, Yoshirai. Oh, on va quand même se calmer. Doucement. Une attaque de 10 minutes. Juste que c'est derrière l'emote de papy, c'est tout. Hein? Comment ça, c'est derrière l'emote de papy? De quoi il parle? Non, et moi je le vois sur le portable en fait, Kiné, c'est pas ça dont je te parle, mais l'emote devant toi en fait, quand le Stitch part, il reste un Stitch qui reste derrière en fait. Genre il part jamais finalement. Genre, tu vois le déplacement, mais il y en a un qui reste derrière. C'est bizarre. Oui, tac. Hop. Ah, t'as pas ça sur PC? Ah, c'est peut-être que sur portable en vrai, parce que moi et Titi on a le chat sur portable du coup. Et sur portable, l'emote marche pas du tout. Attends, je viens Ni sur de... le livre. Sur le livre Morgane? Oh putain. Bah, Le excuse-moi, regarde comment il l'a projet. écrit. Le projet est Regarde le déclenché. chat sur le live. Ah ouais? Mais par contre, sur portable, ça fait trop chelou. Sur portable, genre le Stitch part, mais il reste en fait. Genre il reste Ah l'image oui. du Stitch derrière. Mais en effet, sur le live, ça ne le fait pas. C'est Oui, bizarre. sur le Ah, faudra portable, peut-être pré effectivement. peut prévenir Vanto en vrai. Oui, faudra peut-être Ah, lui qu'est-ce dire. qu'il y a, papy? Ah, c'est mon humour, je crois. Bon, mon humour est de trou. D'ailleurs, le chat, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que mon son ne s'est pas baissé? Parce que là, du coup, on a fait plusieurs clics et tout, donc. D'ailleurs, c'est pareil pour moi, s'il y a un Oui, parce problème. que. Mais toi, en vrai, je t'entends toujours bien. Tu m'entends Ouais. toujours bien? Oui. Bon, bah, Quel ça va humour. alors. On sait pas, on l'a perdu. Nickel. Bah voilà, bah, c'est bon, papy, en fait, on a trouvé le fixe, hein, c'était ça. Parce qu'il y avait deux. Ça se mettait deux sources et ça devait switcher entre les deux, et vu que ça switchait, bah, ça me baissait le son. Ensuite, on va quand même avoir le champion du monde en action ce soir. Ah. Et ben, il va aller affronter le pote de CM Punk, De Daniel Bryan. Snowpunk. Ça fera un très joli match, je dirais. Oui. Et d'ailleurs, ce sera un match très bas dans la carte, mais parce que j'en ai besoin pour la Technical Masterclass. Ah. En effet. J'ai envie de voir ce que ça peut donner entre Ouais, les deux. genre un pré-main event, quoi. Ouais. Ah non, non, pas un pré-main event, un post-opener. Voilà. Bah, en fait, ton opener, du coup, c'est Reigns Cross. Oui. Donc Donc voilà. là. Je vais réfléchir. Ah oui, on vous a pas dit ce qu'on avait au programme aujourd'hui du coup. Donc il y a le show de Titi, mon show, et après il y a mon pay-per-view. Voilà. Ça. Ça fait On a beaucoup de trop. pay-per-view de suite, mais on s'en sort. Voilà, c'est ça. On va réussir à s'en sortir. On vit. Ensuite, on va voir quand même les débuts in-ring de Tegan Nox, qui veut simplement aller se faire casser la gueule par Thunder Rosa. Petit match d'exhibition entre les deux, ça n'a pas besoin de durer très longtemps. Victoire de Thunder Rosa que je vais construire forte pour des prochains plans. Il y a des plans, mais il ne les dévoile pas. Hein. Ah bah non. Titi est secret. Hein. En vrai, moi, il y a un plan que j'ai prévu, mais je ne le dévoilerai pas. Il n'y a que Titi qui est au courant à peu près de ce que je veux faire. Oui. Mais ça ne changera pas. Parce que j'ai craqué et j'avais envie de le dire à C'est quelqu'un. ça. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, ce sera pour un moment. Donc d'ici là, il aura peut-être oublié. Ah En vrai, toi, c'est bien, tu as réussi à booker tout le monde. Je crois que moi, même moi encore, là, dans mon roster, je crois qu'il y a des gens qui oui. n'ont toujours pas été bookés. D'accord. Ah oui. Falloir que je les boucle aujourd'hui. Hein. Hop. On va avoir un autre petit combat entre Disley. Tiens. Ça fait longtemps qu'il a pas. Ça fait quelques temps qu'il a pas été booké. Pardon. À Hop. tes souhaits. Merci. Je me demandais si quelqu'un te parlait ou quoi. J'ai regardé le stream, je suis penché, j'ai fait ah, éternuement. Et il va aller affronter Jonathan Gresham, tiens. Affronter Jonathan Gresham tranquillement. Petit match quand même entre deux gars très solides in-ring. Oui, contre un petit et un très grand. Oui, ce sera pas mon main event quand même, faut pas déconner. Ce Ça sera un sera. très joli match, mais ça sera pas un main event. C'est ça, pas pour Par contre, l'instant en tout cas. tu feras attention parce que ton Adam Cole, Daniel Bryan s'est mis avant.
Ah non, oui, tu l'as mis après Oui. Tegan Nox Thunder, ok, Oui. j'avais pas capté, pardon. Ah oui, mince. Il faut les 3 aims pour les C'est matchs. ça. Et bah toi, tu passes en storytelling. Voilà. Tu vois quoi 4... le gagnant sur ce match? Non, j'ai envie de laisser l'ordi décider. Ok. Ok. 87, on va peut-être pouvoir ajouter un ou deux angles. Avec une petite interview. Une rig interview de Paige. Qui sera la future challengeuse de Tony Storm. Et on viendra T'allais dire tous. t'en as deux storms ou j'ai rêvé? Non, j'ai bugué, mais c'est Ah bien ça. oui. Ah oui, non, Attends. c'est pas ça. Bah en gros Paige. Non là c'est en gros Paige est dans le ring, elle a reçu une interview où elle parle de son prochain match contre Tony Storm. C'est ça l'angle. Donc en vrai si c'était bon là. C'est Paige qui finit une ring Voilà. interview où elle parle de son match avec Tony, quoi. C'est ça. Et comme ça, on descend un peu. Tac, tac. On passe là. Et voilà. Mon show est prêt. Ah, Ok. il manque 3 minutes. Et ça aurait été. Ça aurait été full. Ah, tiens, d'ailleurs. Hop. C'est ton style de show, fais attention quand même. Va pas les crever non plus. Non mais c'est bon, je rigole, hein. Ils peuvent, hein. Avec Tony. Oh putain, papy. Oh, papy, Papy a osé. je te déteste. Allez, c'est parti. Oh! Oui. Ah oui. Alors, note à moi-même faire plus de promos avec CM Punk. Que ça ait du sens ou non, on s'en fout. Ah, Non, faut quand même que ça ait du sens, faut pas en abuser. oui. Sinon, papy ferait que des angles avec Alexa Bliss, par exemple. Très bon Joli. opener. Hey, great chemistry entre les deux. Oui, parfait ça. À noter ça. Oui. Et. 74, la paire de Thunder Rosa, joli. Oui, très bien. Tiganox 52 sans pop, c'est bien aussi. Oui. C'est vrai qu'elle a pas de pop, tu l'as Oui. signé après. Adam Cole. Ah oui. Bah, la foule était déjà vachement on avec l'angle au début, donc du coup Aïe, aïe, aïe. ça les a trop hypés l'angle au début là, que t'as mis. Aïe. T'aurais dû la mettre ailleurs la promo de CM Mais Punk. Bon après ça va, bon. 70. Oui, voilà, c'est pas un mauvais match, C'est quoi. pas honteux quoi. C'est ça. Alors. Ok. Ok, bon, il n'y a pas de chemistry entre les équipes. Belle perf d'Andrade. Oui, très très belle perf. Belle perf de Roman, évidemment. Oui, aussi. Bon, Cross et Mysterio, c'était prévisible qu'ils soient un petit peu en dessous. Oui, Surtout que oui. Cross, tu l'as signé après, je crois. C'est ça. Et Mysterio, il est dans mes lower, donc. Oui, et il est jeune, surtout. Oui. Mais ok. Ah, Darby a Aïe. pas su improviser. Aïe, aïe, aïe. Par contre, Pat McAfee, il est exceptionnel, Ah oui, bah Pat McAfee, il est lui. bon dans son truc, hein. Ah, il s'est retroussé le Ah. nez. Comment ça? C'est quoi cette blessure? Gresham qui me pète les Il a couilles. retroussé le nez. Je savais pas que ça existait cette blessure. Bah, moi non C'est plus. ridicule. Maintenant, c'est un Ok. Carlin. Carlin Lee. Carlin Cat. Ok. Très bonne analyse antivirus, McAfee. Oh putain. Oh putain. Ah, oh, pas beau le match. Hein. Ah oui, mais en même Ouais. temps, c'est contre les jobbers, donc Oui, logique. c'est ça. Beer Dog. Beer Ah. Carlin. Non, mais Mais... Carlin Lee, il y a une idée. Hein. Mais Kiss Carlin. arrêtez! Kiss Carlin. Ok, c'est pas mal. Et là, ça va être ton main event, je crois. Oui, et 80? 80! Et Joli. on commence fort et on finit fort, ça me plaît. Avec le plongeon dans le Pepsi. Oui. Oh, putain. Ça, tu vois, face à. Parce que c'était son finisher à la Ring of Honor, Ouais. j'aurais kiffé qu'il le fasse face à MJF. Ah, ouais, mais c'est pas un saut de la troisième corde? Bah, dans les punaises, ça aurait été encore plus beau. Oui, mais avec le collier, c'est beaucoup plus dur. Oui, c'est sûr. Un moment, il y a des limites dans le possible. 114. 74, ça va. Nice.
En vrai, par contre, plus ça va vers ton main event, moins c'est bon. Oui, voilà, Alors c'est ça. 66, 36, 67, 64, 58, 50. Ouais, c'est ça, la La chute. dégringolade. La chute aux enfers.